29 novembre, c'est journée mondiale toilette. Qui c'est une journée qui là pour sensibiliser nous, pour mettre accent sur question toilette que tout le monde supposé gagner, que ce soit dans caille, que ce soit dans espace public, tout côté que mon a fréquenté, normalement faut penser à mettre toilette pour faire besoin li. Et dans occasion ça, direction nationale eau potable et assainissement qui là pour organiser, m'était capable dire pour coordonner, pour contrôler question ça lui-même, li décider organiser en collaboration avec d'autres partenaires une journée réflexion. OK? Et journée réflexion ça jodi an nous a fait li sous ça relé marketing assainissement. Ça veut dire à réfléchir sous qui gens pour nous capable rendre plus accessible question toilette là. Qui ça qui produit que nous capable offrir que ce soit dans milieu urbain, que ce soit dans milieu rural haïtien qui pour permettre que moun yo même yo gen accès à toilette là. Et journée mondiale ça année ça li thème là c'est équité, OK? Et ça m'ta cap di et dignité, li marche avec question équité, dignité. Dignité, les nous a parlé de dignité bien entendu, nous wè que yon moun de pou parler pour faire besoin, faut vraiment faut capable surtout fi, faut capable faire ça dans yon avec toute dignité. Ça veut dire que ou pas ka supposer à déféquer à poupou à terre n'importe qui côté. Et équité, les n'a parlé de équité, ça veut dire tout monde gen droit. Tout le monde t'a supposé jouer accès à un côté pour faire besoin et ceci même monde qui a besoin spécieux. Ça veut dire que désormais même dans espace public au côté que n'a mettez des blocs sanitaires, des installations sanitaires, faut nous penser à un monde par exemple qui ont un handicapé pour capable améliorer et sanitaire là qui pour permettre que lui-même lui gagne accès à lui-même. Concrètement comment ça va en Haïti? Est-ce que tout le monde a vivre dans conditions bon c'est sûr que les données ont montré que malheureusement en Haïti nous avons tendance à construire on est capable de regarder les rapports ils ont montré que plus construction toilette que ce soit dans question subvention la fête mais il y a moins de monde moins de ménages qui ont toilette et jodi an c'est ça fait justement dîner parti à ce que nous marquer journée ça nous marquer journée toilette là et nous gagne tout acteur qui travaille dans secteur là qui là ensemble avec nous pour nous capable réfléchir qui gens pour nous capable rendre que li possible pour nous capable gagner accès à un toilette. Est-ce que bon rapport direct entre pollution la phréatique nous avec nous capable dans tête mieux. Bon bien sûr de tout monde connaît que depuis ou gagne pratique pour atter pour n'importe qui côté gain possibilité pour gagner contact avec source gain possibilité pour gagner contact avec nac phréatique tout ça qui gain ouais avec l'eau et c'est sûr que ça gagner yon rapport direct et nous toujours ouais que généralement là on fait lien avec maladie diarrhéique yo et spécialement choléra que depuis 2010 n'a fait face à lui-même nous ouais que pratique d'hygiène yo faut nous kembe yo OK et comportement nous tout faut nous changer faut population changer comportement pour connait que toute kaili tout côté le besoin depuis le besoin faire pour pousser non toilette pour l'aller.